là, c'est plus possible. Qu'est-ce que tu fous de tes journées? Je peux pas tout le temps être derrière toi. Qu'est-ce qui se passe, Ariane? Qu'est-ce qui va pas? Je bosse comme une malade pour faire des choses que personne ne voit. Et moi, tu crois que ça m'amuse de pas voir grandir les enfants? Des moments où je voudrais qu'on échange pour que tu comprennes. D'accord. Je prends ta place, tu prends la mienne. Oh. Ok, dis-moi ce que je peux faire. Je dois emmener Louise chez l'orthodontiste. Demain, 11h30, c'est pas possible. J'irai, c'est bon. Ils sont là, déjà? Allez, monte. Oui, je sais, j'ai vu. Oui, bah, j'arrive, je suis là. Papa! T'as pas l'impression de l'avoir oublié quelque part? Oh, putain! Ariane, écoute, attends. C'est d'accord, j'accepte. En résumé, nous avons donc échange effectif de vos fonctions pendant un an. Heureux de démarrer une nouvelle vie. Je vais enfin pouvoir me reposer un peu. Ton côté maintenant, c'est l'autre. Chéri, les clés de la voiture. J'ai l'intention d'établir une stricte égalité entre les sexes, monsieur Nicard. Oh, y'a pas de choc à pied. C'est mieux. Je me suis épilé entre les sourcils pour faire moins sévère. Ça repousse pas, c'est ça. Et les enfants? Si on leur explique, ils comprennent. Alors? Moi, je préfère que vous divorciez. Hein.